Il ne faut jamais croire un ancien toxicomane qui dit qu'il est guéri parce qu'on n'est jamais guéri. Sur les ondes de France Inter ce lundi 3 avril, Frédéric Becbédé n'a pas mâché ses mots. Consommateur régulier de cocaïne, l'écrivain était interrogé par Sonia De Villers sur le dramatique accident de la route provoqué par Pierre Palmade, sous l'empire de plusieurs substances lorsque son véhicule en a percuté un autre dans lequel se trouvait une famille. Selon lui, le carambolage est le fait d'autres drogues nouvelles comme la 3MMC, une drogue de synthèse retrouvée dans l'organisme de l'humoriste. Lui-même longtemps accro à la drogue, Frédéric Becbédé a également assimilé les addicts, dont Pierre Palmade donc, à une confrérie de gens qui se font du mal en groupe. Si Frédéric Becbédé est aussi catégoriquement, si estime qu'il a consommé des drogues dures pendant de longues années avant de s'en sevrer, dans les années 2010 en se rendant en Autriche. Avant cette prise de décision, les proches de l'écrivain ont tenté de l'aider à arrêter. Beaucoup de gens ont déjà essayé de me sauver, écrivait dans l'op. Mes enfants, mon épouse et sa patience infinie, mais aussi notre déménagement sur la côte atlantique, et un policier intelligent en 2008, des juges sévères, des médecins addictologues. Tombé dans l'addiction, l'auteur de 99 francs avait des journées bien rodées. Il m'a semblé que nous pratiquions ce rituel aux toilettes par habitude plutôt qu'enthousiasme. Nous descendions sans raison nous pencher sur les rails, pour nous faire du mal sans plus ressentir de bien, décrivait-il. La seule chose qui nous excitait encore était de braver l'interdiction à Pierre Palmade, « Je suis dangereux à cause de la drogue » interrogé après son accident de voiture, Pierre Palmade a d'abord expliqué aux policiers qu'il se trouvait en compagnie de deux amis de brinque devenus des sex friends lorsqu'il a pris son véhicule pour aller faire des courses. « J'ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiant », a affirmé l'humoriste avant d'ajouter, « Je suis dangereux à cause de la drogue, je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien. » Son addiction à la cocaïne, Pierre Palmade ne l'a jamais caché et il avait de nouveau assuré vouloir s'en sortir. « Il faut que mon rapport avec la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie », a-t-il confié. Les analyses toxicologiques réalisées ont montré une consommation récente de cocaïne, avec un taux élevé très élevé, et la présence concomitante de drogues de synthèse, la 3MMC. À propos de l'auteur Lou du Crux politique et royauté son médada, mais les people n'ont, presque, plus de secret pour moi depuis 2016. Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigur Rós et Aki Kaurismäki. Ces derniers articles Meghan et Harry dilettante, le ridicule nombre de hebdomadaires qu'ils consacrent à leur peau. Quand il y a une baisse de désir. Le secret de Léna Guillou pour ne pas se lasser d'Adil Rami Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant ?